Hello, hello, hello. Je t'apprends une petite chanson toute simple. A mineur et le G. Très simple, ça tu devrais les connaître. A mineur, G, ok. Je suis gaucher donc te fie pas à commencer à placer. Ça fait mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du sirop qui soupire, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Tu vois, c'est super simple. On fait mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Et mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Ça change, c'est rassuré de un brédit d'automne. On s'en est allé cueillir des tampignons. Alors on est allé à la campagne. Les gens, mais bref, je les gens étaient timides, assez gênés. On a le bon moment pour aller cueillir des champs. Mangez-moi, 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 mangez-moi. Bon bref, tu vois, tu peux partir en délire. Juste A mineur, G, A mineur, G, c'est tout simple. Tu restes comme ça. Et puis j'ai à toi de trouver un peu ton rythme dessus, sur le strumming et tout. Voilà, et ça, ça fait partie des Medicine à Sang. C'est les chansons médecine que tu peux chanter dans les cercles de parole, dans les méditations, dans les prises de champi, dans les cercles d'ayahuasca, tous ces trucs comme ça. Enfin bref, donc c'est un type de chanson très douce que tu dois entendre, que tu peut-être que tu entends sur plein de chaînes, etc. Et c'est un genre de musique, un style de musique qui vient offrir quelque chose dans le cœur des gens quand il y a cette sonorité. Et au même moment, s'ils chantent, donc quand tu arrives à les faire chanter, ben encore mieux, parce que le chanter, ça amplifie encore plus le truc, et donc tu fais des cercles de chant, des trucs comme ça. Et c'est un peu ce que je fais. Je suis troubadour, je traverse un peu autour du monde, et partout où je vais, alors je suis pas un très très grand musicien, mais partout où je vais, j'arrive avec des petites chansons comme ça, à faire chanter les gens, etc. Donc j'en ai inventé pas mal, mais il y en a aussi des connus que j'ai réussi à reprendre, à retrouver un peu à mon rythme, etc. Et c'est ce que je te propose de partager. Là, je suis en Floride, et c'est ça. En ce moment, j'écris un cours où les gens viennent et ils apprennent cette chanson avec moi, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire pour mes compatriotes qui sont en France, en ligne, c'est vachement plus simple, parce que peut-être que venir en Floride pour toi, c'est difficile. Donc, j'ai mis tout ça en ligne et j'ai fait trois niveaux. Il y a un niveau très très débutant, hein, où ça commence, je te montre juste pour si vraiment c'est ton tout premier ukulélé ou que tu sais pas encore jouer. Et puis il y a le, bon on va faire que deux niveaux, puis il y a le niveau directement où tu maîtrises vachement plus. Et je vais te faire jouer sur après plein de petites notions comme ça. Par exemple, je vais te faire mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Regarde l'index. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Tu le lèves. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Tu vois, tu peux un peu jouer comme ça, et puis après. Puis après l'impro dessus. Tu dis ce que tu veux, mon ami. Tu peux même chanter, quelle belle la vie. Oui, oui, mais tu chantes comme tu veux. C'est vraiment la liberté qu'offre le jam avec Bamba Bear. C'est fini, je puis Bamba Bear. Mangez-moi, mangez-moi. Tu mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Et moi, forcément, je fais les plantes, donc plantez-moi. Plantez-moi, plantez-moi. Tu plantez-moi, plantez-moi, plantez-moi. Et ensuite, toi, tu le partages avec les gens autour de toi, pendant tes cercles, pendant tes animations, avec tes enfants, au repas de Noël, tu en fais ce que tu veux. Donc, je t'en enseigne 5 jeux de mémoire. Il y a ma chanson que j'ai écrite, ça fait quand tu dis oui à la vie, wapapo, apreli, elle te dit oui aussi, ouais. Il y en a une autre, ça fait, c'est Shiva Shambho, tu vas connaître. Ça fait Shiva, Shiva, Shiva Shambho, Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho, Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Tchak, tchak. Il y a quoi d'autre. Thank you for the food, thank you for the food. Et thank you for the food, thank you for the food. Je sais plus trop. Enfin bref, je te l'ai. L'autre, je sais pas, elle est là dans la tête, elle est crise quelque part, mais je sais plus. Bref, il y en a 5, parfait pour apprendre, tu vas vite apprendre, tu vas vite les maîtriser, et ensuite tu vas pouvoir les balancer. Je te mets toutes les infos en dessous, si elles sont pas en dessous, tu me contactes, tu me cherches, c'est facile à me trouver, corpsacorps.org, kevingabé.com, tu me trouves facilement. Ciao, merci pour tout. Hasta la pasta. Brrr.